il revient au Conseil électoral provisoire de lancer officiellement la période de campagne électorale qui doit s'étendre pour les législatives du 9 juillet au 7 août à minuit, dans la perspective de la tenue du scrutin du 9 août. Pour initier cette démarche, nous avons jugé nécessaire d'associer le ministre chargé des relations avec le Conseil électoral, M. Jean-Philippe Jean-Louis, qui, en ses titres et qualités, va représenter l'exécutif directement impliqué dans l'organisation des compétitions électorales d'un pays, selon les dispositions de la Constitution en vigueur. Monsieur le ministre Jean-Louis, j'ai l'honneur de vous inviter au micro pour vos propos de séance. Depuis janvier 2015, le gouvernement n'a pas ménagé ses efforts aux côtés du Conseil électoral pour essayer de mettre tout en œuvre pour arriver à cette date du 9 août qui est le signe tant attendu qu'il va y avoir des élections lors de ces premiers tours du 9 août. Nous avons durement travaillé et je prends plaisir à féliciter le Conseil qui a vraiment tout fait, n'a rien ménagé comme effort pour nous permettre d'avoir cette opportunité aujourd'hui de lancer la campagne électorale. Nous complimentons également les partis politiques qui ont compris l'importance et la nécessité de rentrer dans le jeu et de participer aux côtés du Conseil avec beaucoup de difficultés, certes, mais ils ont embrassé le processus, ont encouragé le Conseil et ont porté le processus jusqu'à cette date. Nous demandons à la population qui elle-même a toujours été disponible, qui a supporté les partis politiques, qui a supporté les candidats lors des inscriptions, nous leur demandons aujourd'hui le même engouement qu'ils avaient pour retirer leur carte électorale, qu'ils continuent de veiller, qu'ils participent aux meetings, qu'ils prennent note, qu'ils fassent le bon choix et que le 9 août, ils aillent tous aux urnes. Je réitère la volonté du gouvernement de supporter ce processus durant tout l'exercice. Je dis au président et au conseil que, comme ça a été le cas depuis janvier, que nous serons toujours à leur disposition, que nous allons tout faire du côté de l'exécutif pour permettre que le conseil soit en mesure et en situation d'organiser de bonnes élections à partir du 9 août. Merci. Bon travail, bon succès au Conseil et bon travail, bon succès aux candidats. Il est clair que la période de campagne incombe, enfin l'annonce de la campagne, la période de la campagne incombe au CEP. Et l'article 114-1, je vais prendre le décret, le dit clairement, le début et la fin de la campagne électorale sont fixés par le CEP, 114-1. Donc, le calendrier publié par le CEP suite au décret, le calendrier qui est disponible depuis le 16 mars 2015, disait la campagne commence le 8 juillet et se termine le 7 août à minuit, comme vient de le rappeler le vice-président. La deuxième partie, le deuxième élément dans l'analyse du chapitre 8, c'est les moyens de communication. S'il y a campagne, il faut communiquer. C'est l'article 115. L'article 115 dit bien sûr, les candidats et candidates, partis et groupements politiques peuvent utiliser tout moyen de communication collective pour exposer leur programme. Cependant, il leur interdit d'apposer affiches, graffitis et autres sur les clôtures, murs, portes des maisons privées, les édifices d'intérêt public, lieux de culte, écoles, hôpitaux, monuments historiques, etc., sous réserve des sanctions prévues au présent décret. Et les sanctions prévues
c'est l'article 191 du chapitre 13. Je ne le citerai pas, c'est là. Alors, ici, il faut aussi dire que ce chapitre 15 a un deuxième alinéa. Les candidats et candidates, les partis, groupements politiques, les médias d'État veilleront à utiliser des moyens de communication spécialisés, accessibles et adaptés aux personnes sourdes et aux non-voyants pour leur entière intégration et participation au processus électoral. Alors, toujours dans cet article, pour cet article, il est prévu des sanctions à l'article 192 pour les poses de graffiti, comme vous voyez dans la lecture, sont interdits. Donc, automatiquement, l'article 192 traite des infractions pour l'application de cet article. Le troisième élément du chapitre 8, avis aux forces de l'ordre et du maintien de la paix publique pour éviter conflits horaires, conflits de messages, etc. Les rencontres sur la place publique. C'est l'article 115-1. Lors des réunions à caractère public, les candidats doivent, à des fins de sécurité, aviser la police nationale d'Haïti 48 heures à l'avance en indiquant le lieu, le jour, la date, l'heure et la durée de la rencontre pour éviter toute confrontation entre des groupes de sensibilités politiques différentes. Les candidats, en accord avec la PNH, doivent veiller à organiser leur réunion à une distance d'au moins 1 km les unes des autres. Article 115.1. Bien sûr, s'il y a infraction, l'article 192. Et si ces infractions viennent des partis politiques ou des candidats ou de leurs supporters, c'est 192. Et s'ils viennent des agents publics et même des agents électoraux, c'est l'article 189. S'il y a infraction. Le quatrième élément, c'est les règles d'éthique, de bonne conduite, le pacte de non-agression. C'est l'article 116 et 117. Durant tout le processus électoral, les candidats et leurs partisans doivent observer une attitude correcte. Ils doivent se garder de toute incitation à la violence et à tout acte mettant en péril la vie et les biens de la population sous peine de sanctions prévues par le Code pénal. Le commissaire du gouvernement ou le juge de paix, assisté d'agents de la PNH, régulièrement saisi par le CEP, engage les poursuites. Bien sûr, l'article 117 qui va dans le même sens, les polémiques ne doivent porter que sur la vie publique des candidats, leur programme, leur credo politique. Il est fait obligation aux candidats et à leurs partisans de faire usage de modération, de bon sens, de droiture et de respect réciproque. Le cinquième élément, c'est de la non-utilisation des biens de l'État. 121 et 121.1. Aucun fonctionnaire ou autorité publique ne peut utiliser le matériel et les ressources de l'État pour se livrer à des activités de propagande électorale en sa faveur ou en celle d'un ou de plusieurs candidats, partis ou groupements politiques, sous réserve de sanctions prévues par le présent décret. La sanction, c'est l'article 204. La fin de la campagne. Comme le début et la campagne sont fixés par le CEP, la fin de la campagne, l'article 122. Aucune réunion politique ou électorale ne peut avoir lieu après la date de fermeture de la campagne électorale fixée par le CEP. Les organes de presse veilleront à la stricte observance de cette disposition. Il y a sanction. C'est l'article. Alors, il faut dire que l'article 122 reprend le 114.1. La sanction 193.1. Donc, comme je vous dis, c'est ça les règles du jeu telles que le prévoit le chapitre 8. Et j'ai fait mention des éléments d'infraction du chapitre 13. Et les sanctions pour le chapitre 13, ce sont les amendes qu'ils ont fixées. Pour les crimes et délits, ça, c'est autre chose. Alors, ce que je voulais rappeler pour terminer, l'ensemble de ces règles sont imposables à nous tous, CEP, je le répète, candidats et électeurs. Et c'est pourquoi j'ai pris la peine aussi de signaler la fin de la campagne qui débouche sur le jour du vote. Le jour du vote, l'article 123 dit ceci. Le jour du vote. Toute manifestation publique en faveur d'un ou de plusieurs candidats, d'un ou plusieurs partis, groupements politiques, est interdite
le jour du scrutin jusqu'à la proclamation des résultats définitifs. Le 123. Alors, bien sûr, s'il y a des candidats, enfin des électeurs aussi, le jour du vote, puisque nous nous adressons à toute la population, l'article 193.2 trace aussi ceux qui ont droit pour voter. Donc, du début de la campagne jusqu'à la fin, et aujourd'hui scrutin, voici ce que la loi prévoit. Donc, en règle générale, à la fin du chapitre 8 qui traite en la matière de la conduite à tenir, il y a aussi des règles qui sont rappelées. Je voudrais citer l'article 118-119 pour terminer mes propos. Le Conseil électoral provisoire, après enquête, peut convoquer tout candidat, parti, groupement politique dont les partisans empêchent un autre candidat, parti, groupement politique de faire campagne. Saisir les autorités judiciaires contre tout individu ou groupe d'individus qui profèrent des menaces, portent atteinte à la vie, au bien des candidats ou de la population durant la période électorale. L'article 119. En cas de flagrance et de récidive, le Conseil électoral provisoire prend toutes les mesures conformément au présent décret, aux fins de, petit a, se prononcer de façon célère sur tous les cas de violence constatés, petit b, radier de la liste des candidats agréés tous ceux reconnus coupables sous réserve de toute action judiciaire à intenter par la partie lésée, petit c, suspendre de toute compétition électorale pour une période allant jusqu'à 5 ans les partis ou groupements politiques reconnus coupables. L'article 120, le Conseil électoral provisoire signifie aux partis toute décision prise à leur encontre. Nous réaffirmons, comme l'a fait tout à l'heure notre collègue, mon collègue Fritz Jean-Louis, la ferme volonté du gouvernement à accompagner le processus électoral pour qu'on aboutisse à la tenue des élections à la date fixée par le Conseil électoral provisoire. Des élections, encore une fois, que nous voulons libres, honnêtes, démocratiques et inclusives. Nous demandons à tous les secteurs de jouer leur partition pour que le processus électoral puisse aboutir. Ce que nous voulons, c'est de bonnes élections, des élections qui ne seront pas contestées. Et à ce sujet, nous demandons encore une fois à tout un chacun, aux partis politiques, aux candidats, à la police, à la communauté internationale qui nous accompagne, de jouer pleinement leur partition pour qu'on aboutisse à la tenue de ces élections en Haïti. Le peuple a besoin de ces élections pour le renouvellement du personnel politique et nous, nous sommes là au niveau du gouvernement pour accompagner le processus. Vous pouvez compter sur nous, nous allons continuer à accompagner le Conseil électoral provisoire pour que ces élections puissent aboutir. Lancement de la campagne électorale de 2015. 16 mars 2015, 9 juillet 2015, voilà déjà près de 5 mois depuis le Conseil électoral provisoire s'est attelé à la tâche. Voilà déjà plus de 5 mois depuis que jour et nuit, 9 conseillers et l'ensemble du personnel du CEP, bon an mal an, malgré vents et marées, jour et nuit, se sont attelés à préparer les activités électorales devant aboutir aux élections du 9 août 2015 qui nous permet aujourd'hui de lancer la campagne électorale. Nous remercions particulièrement les employés des BED et des BEC qui depuis 7 mois ont de manière citoyenne, tous les jours ils se sont présentés à leur bureau, ils sont présents à leur poste, ils ont effectué l'ensemble des opérations qui nous ont permis aujourd'hui de vous faire cette présentation. Nous leur sommes reconnaissants parce qu'ils n'ont pas eu leur salaire à date et nous sommes en train de préparer leur chèque pour qu'ils les aient d'ici lundi au plus tard. Nous profitons également pour remercier les diligences faites par les fonctionnaires du ministère des Finances qui nous ont permis de respecter l'engagement pris la semaine dernière. Permettez-nous également de remercier publiquement le dévouement du ministre délégué aux affaires électorales qui n'a rien ménagé pour nous accompagner durant ces 5 mois dans nos diverses démarches avec l'exécutif dans la mesure où le CEP ne saurait avancer sans l'appui de l'ensemble des corps de l'État. Ceci dit, nous voulons vous encore vous remercier de votre présence et vous dire que le CEP est prêt 30 jours avant les élections pour lancer la campagne électorale. Et ce qui nous reste à faire, il s'agira de publier les membres du bureau de vote comme le veut la loi électorale et vous mettre au courant de l'ensemble des prestations qui seront faites, à savoir la formation des membres du bureau de vote, la formation des superviseurs, la formation du personnel, des agents de sécurité.
et la mise en place de l'infrastructure électorale. Les activités font bon train et nous sommes conscients de pouvoir rendre disponible l'ensemble de l'appareil électoral le dimanche 9 août dès 6h du matin à l'ensemble des électeurs qui iront voter. À cet effet, nous voulons vous rappeler l'article 114.1 du décret électoral du 2 mars 2015 disant ceci: le début et la fin de la période de campagne électorale sont fixés par le CEB. Je déclare donc solennellement ouverte la campagne électorale pour le premier tour des législatives du 9 août 2015. La campagne prend fin le 7 août 2015 à minuit, comme le veut le décret électoral. Bonne chance à tous, que le fair play règne et qu'il soit la boussole de tous